j'essaie de plus en plus, je suis pas confortable du tout. C'est pas là, t'es en train de casser les oreilles des pauvres internautes là, qui vont partir. Oui, les internautes, non, ne partez pas. Restez là, pardon. Pardon, je vais me comporter bien. Bon, attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Alors pour mon 85e Tomcast, je reçois Elisa Sednaoui qui joue le rôle de Laura dans Bus Palladium, le nouveau film de Christopher Thompson qui sort le 17 mars. Et alors en 85 Tomcast, tu sais que j'ai reçu que deux actrices. D'accord. Et que ces deux actrices sont deux italiennes. Ah bon ? Eh oui, je ne reçois que des actrices et des italiennes. C'est lesquelles ? C'est Giovanna Mezzogiorno. Oui. Qui était d'ailleurs très très sympathique, donc j'espère que tu seras... aussi sympa qu'elle. Oui. Moi, j'espère être aussi talentueuse qu'elle. Et très, j'aime beaucoup de Joanna. Alors, avant de parler du film, je suis pas mal documenté sur toi, quand même. Oui. Et en fait, il n'y a pas grand-chose sur toi sur le web. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est une vidéo où tu fais visiter ton dressing. Et où tu montres tes vêtements préférés. Alors, on va regarder un extrait. D'accord. Non. So now we're in my bedroom and I'm going to show you some of my favorite outfits. First, I'm going to show you my favorite leggings. Fee makes them. They made a whole collection like this. Favorite piece of the season definitely was this jacket, which I'm going to wear until the day I die. Et tu sais, je vais te dire un truc, quand on regarde cette vidéo, on sent déjà presque l'actrice. D'accord, c'est bien. C'est bien. Et on sent finalement que défiler sur un podium en fermant ta gueule, ça a dû être une grande frustration pour toi, non? Alors... Parce qu'on n'a pas le droit de parler quand on défile. Ouais, c'est chiant. Le mannequinat, je vais te dire la vérité, le podium oui. M'a jamais plu. C'est-à-dire, le podium, le défilé lui-même, ça serait hypocrite de dire que c'est pas agréable de le faire. Je veux dire, oui, c'est ce moment. Il y a quand même ce moment quand tu sors sur le... tu vas sortir et on te pousse pour y aller. Et c'est toi qui vas y aller. Et tu sais que, bam, tu vas avoir 300 personnes qui... Au moins, enfin, 300 c'est beaucoup, mais... Il va y avoir je sais pas combien de personnes qui vont te voir en même temps et qui vont analyser chaque petite chose de ce que tu fais. Mais en réalité, ça n'a jamais été une forme où je me sentais vraiment... une forme d'expression où je me sentais bien, à l'aise, réellement. Je sais pas comment dire. Je me suis jamais senti que je pouvais m'exprimer à mon mieux dans les 10 secondes. Tu passes 6 heures à te faire maquiller, coiffer, tu dois aller à l'avance, enfin ça. Hein, tu vas faire le feeling, etc. Et puis, le moment où tu es réellement là, c'est 10 secondes. Donc voilà. Alors, est-ce que ce passage justement par le mannequinat, maintenant que tu as commencé un peu à faire actrice, tu le vis comme un boulet que tu vas traîner ou plutôt comme un atout, quelque chose qui va te servir pour plus tard? Parce que par exemple, là, quand on fait des recherches sur Internet, et je pense que ça va durer encore longtemps, on tombe sur des tonnes de photos de toi en lingerie par exemple, ouais. et pas d'extrait de film ou de choses comme ça. Donc, Alors, je vais te dire pourquoi il n'y a pas d'extrait de film. C'est parce que les deux films que j'ai fait, les deux rôles principaux que j'ai fait, sortent en même temps. Le premier film que j'ai tourné quand j'avais 19 ans. C'est un film indépendant, réalisé par un Lituanien qui s'appelle Šarūnas Bartas, que je viens de présenter à Forum Berlin, et à la Berlinale. Et quand tu fais la Berlinale à Forum, c'est des films indépendants, c'est des films de qualité, mais c'est pas le genre de choses qui va t'amener une presse, presse incroyable. Le truc marrant sur Berlin, c'est que les seuls articles que j'ai vus sur toi, Berlin, c'est pour dire que tu portais une montre Geiger Lecoultre. Ça, c'est dur quand même. Écoute, c'est un peu un boulet à traîner quand même. Hein. Je ne pense pas, parce que j'assume exactement tout ce que j'ai fait et que le boulet, il est plutôt pour les autres. Mais réellement, moi, je n'ai rien à cacher, j'assume, le mannequinat m'amène où je suis aujourd'hui. Si je veux, pour pouvoir faire des films indépendants, pouvoir faire des films sans être le rôle féminin qui va se faire taper la fesse ou être en maillot de bain ou... Il faut pouvoir avoir l'argent, je veux dire, tous ces acteurs qui sont désespérés pour le rôle d'après et qui sont frustrés. Et moi, je suis ravie de pouvoir faire un jour de mannequinat et gagner autant d'argent. Je vais jamais snober ça. Mais c'est-à-dire que l'argent que tu gagnes avec le mannequinat va te permettre du coup de faire des films d'auteur, des films... C'est exactement ce qui s'est passé. Je veux dire, la lingerie que tu vois, je l'ai faite parce que je venais de passer 3 mois en Lituanie et que c'était à la limite de perdre moi de l'argent. Ouais. Donc, je veux dire, il y a un moment
moment où, si pour l'art, et pour moi, le film et le cinéma, c'est une question de qualité, c'est pas une question de quantité. Oui, on peut avoir un physique convenable et pas être timide devant une caméra, un appareil photo et pouvoir jouer. En France, on essaye de te cadrer. Ouais, et, et la case, en 2010, elle n'existe plus. La case, elle n'existe plus en 2010, surtout dans ma génération. On est des générations qui font plein de choses. Alors, on dit touche à tout, qui est presque négatif, mais on s'exprime dans différentes formes. Et grâce à nos parents et grâce aux personnes avant, le terrain a été ouvert pour qu'on puisse et avoir envie d'écrire, et avoir envie de jouer, et avoir envie de réaliser, et vouloir faire de la musique. Si on a le talent, pourquoi pas, je veux dire, si on est heureux. Alors maintenant, on va parler du film Bus Palladium, et je te propose de regarder la bande-annonce. Tout jeune, c'est tout frais, la chanson s'appelle Que tu le veuilles ou non, c'est Lust. Attends, les mecs, on passe à la radio. C'est quoi Lust? Lust, c'est le meilleur groupe du monde depuis les Stones, avant la mort de Brian Jones. Moi, je préfère les Stones après. Que tu le veuilles ou non. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé. Toutes les autres, je te les laisse. Elle était belle comme un souffle, fort là se brûler les ailes. Et je Allô? Vivais doucement dans son trouble, je me serais damné pour elle. Tu te souviens pas de la première fois qu'on s'est vu? Tu crois ça? Bon, alors Elisa, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup chez toi. C'est tu as une voix envoûtante, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la voix de Charlotte Rampling, jeune. Je sais pas si on t'a déjà fait cette comparaison. Ah, écoute. On m'a dit Charlotte Rampling dans les airs, mais que tu me dises la voix, non, je suis très flattée, c'est un compliment. Bon, et donc j'ai envie de t'entendre, et du coup c'est toi qui vas me pitcher le film. D'accord. Bus Palladium, ça parle de quoi? Bus Palladium, c'est l'histoire d'amitié et d'un passage d'âge. C'est l'histoire d'amis d'enfance qui essayent de donner une chance à leur groupe de musique. Et l'histoire de leur succès et de comment, parce qu'ils sont fragiles comme toute personne en voie de développement, pas de développement mais de croissance, et parce qu'il y a une fille qui arrive, notamment Laura, qui aussi rend la situation encore plus fragile. Mais oui, c'est l'histoire d'un passage d'un âge, de l'adolescence à l'âge adulte, où chacun des personnages grandit et un peu ce pacte d'enfance, le pacte du groupe, se brise parce que chacun doit prendre des voies individuelles. Et donc, il y a qui va aller dans une certaine direction et qui dans une autre. Alors dans ce film, il y a deux points forts, je te le disais tout à l'heure en off. Il y a donc toi forcément qui, moi je trouve, illumine assez le film de ta présence. Ça donne une espèce d'énergie, de magie. Et puis il y a aussi la musique. Et pour la musique, en fait, Christopher a eu l'intelligence de s'attacher à la collaboration d'un vrai spécialiste, Yarol Poupeau. Exactement, Yarol Poupeau, qui est donc un peu le parrain du jeune rock français avec son label Bonus Track Records. D'ailleurs, il sort bientôt l'album des Parisians. Faisons-lui un peu de pub, qui sort très très bientôt. Et du coup, on a une musique un peu que style, justement, moi je trouve un peu entre FFF, je ne sais pas si tu connaissais, c'était le groupe de Yarol, et un peu Téléphone aussi, parce que c'est un peu cette époque-là. Et moi, je voulais te demander comment tu es rentré un peu dans la peau d'une groupie fan de rock. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que le rock, c'était déjà un peu ton truc, mais tu t'es documenté un peu sur... t'as vu des films genre Almost Famous, par exemple, c'est des références? Absolument. Almost Famous, je l'ai vu. D'ailleurs, je l'ai vu une fois, et la fois d'après, je me souviens, j'étais dans le lit, j'étais toute seule à la maison. Je préparais, j'étais en pleine préparation mentale, et j'ai pris toutes des notes. Je l'ai re-regardé, je l'ai arrêté à chaque fois qu'elle apparaissait. Je prenais des notes sur ce qui me faisait ressentir à ce moment-là. J'ai vu Control aussi, que j'avais pas vu pour ça. J'ai vu le concert où, le incroyable concert à Hyde Park, le jour même de la mort ou le jour d'après du décès de Brian Jones. J'ai vu plein de films, références sûrement Yoko Ono. J'ai cherché beaucoup sur internet Yoko Ono, Bianca Jagger, Marianne Faithfull, enfin
Oui, je me suis renseignée de tout ça dans une excitation de fond, parce que c'est génial de pouvoir jouer ça, de jouer une groupie, mais une groupie qui a du pouvoir, parce qu'elle a du pouvoir, Laura. Et elle fout un peu le bordel quand même. Hein. Elle fout un peu le bordel. Ouais. Mais je crois que c'est eux aussi qui laissent que le bordel se passe. Ouais, bien sûr. C'est eux aussi qui sont fragiles. Ils sont bien d'ailleurs, hein, ces jeunes acteurs. Moi, je les trouve formidables. Ouais. Impressionnant même. Lucas, qui est joué par Marc-André Grondin. Manu, qui est joué par Arthur Dupont. Dupont, moi, je trouve, je ne sais pas si tu connais un peu l'acteur Romain Duris, et je trouve qu'il a, il a un peu toutes les bonnes cartes en main pour être le futur Romain Duris. Hein. Écoute, moi, j'ai du mal à voir les gens, enfin, en donnant un nom, c'est-à-dire celui-là va être le prochain tel. Je souhaite à Arthur de faire son parcours et de devenir, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ça, c'est mais le côté franco-français. Oui, je sais, mais je suis très... Mais tu as raison. Mais non, je trouve qu'Arthur a fait un travail incroyable. Je trouve que, enfin, à part le talent d'un chanteur incroyable, c'est lui qui chante. Je veux dire, c'est lui qui chante. Il a chanté avant, mais il chante, il joue, il s'est complètement laissé aller. Les scènes sur scène, enfin, c'est vraiment crédible. C'est un chanteur. C'est Manu. Voilà, Elisa, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, d'accord. Regarde ce que c'est. Merci. Merci. Montre-le à la caméra. C'est les 100 meilleurs albums de rock. Merci. Et c'est écrit par Nicolas Dupuis. Et d'accord. Je vais te demander très rapidement de regardez s'il y a trois albums qui te parlent là-dedans. Pink Floyd, Wish You Were Here, sûrement. Je sais pas. Je vais te dire The Strokes, Is It It, Is This It. Il y en avait quelques-unes que j'ai beaucoup aimées, mais parce qu'il est très, il va du passé jusqu'à maintenant. Je pense que ouais, tu as les 100 meilleurs albums de rock. Ah bah, The Rolling Stone, Exile on the Main Street. Sur ben voilà. On Main Street. Bon, Elisa, une dernière question. Passer de la famille de la mode à la famille du cinéma, c'est très différent. C'est quoi? C'est pas les mêmes us et coutumes, c'est... Alors déjà, on ne passe pas d'une famille à l'autre. Toi, t'es resté dans les deux, en fait. Moi, j'ai une très grande famille. Moi, j'ai une très grande famille que j'appelle la famille à tiroir. Il y a Arthur Dupont qui vient de passer. Il va venir faire un petit coucou. Il y a France 2 en dessous. Il y a France 2 en dessous, bien. Voilà, il faut le montrer parce qu'on parlait de lui, on disait du bien. Oui, voilà, c'est on a, Arthur Dupont. On a fait un vrai concert. Ouais. On a fait ta pub. Et là, il y a un autre. Un autre qui est incroyable. Ouais. Dans le rôle du manager du groupe. Ciao. Et tu sais, Elisa, qu'ici, c'est le talk show français préféré de David Lynch. Ah bon? Donc si tu veux lui envoyer un message, c'est le moment, il regarde tous les épisodes. Il regarde tous les épisodes de David Lynch. Salut David. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi, on s'est croisés très brièvement. Tu as vu, non si, tu as fait la musique, David, tu as fait la musique pour un petit court-métrage que j'ai tourné avec, dirigé par mon parrain, Christian. Et... Le monde est petit. Le monde est tellement petit, le monde est trop petit pour nous tous. Mais David... Je t'aime, tu as changé le monde et I love you. Thomas aussi, je t'aime, je vous aime tous et Y a plus rien à la prochaine ajouter, aventure, il n'y a plus rien à ajouter. Salut Elisa, et bonne chance pour le film. Je rappelle donc Bus Palladium de Christopher Thompson qui sort le 17 mars. Allez le voir. Oui, un journaliste sympa. Il est sympa, Thomas Clément ? Oui. Alors, tu sais que normalement, quand je reçois des actrices italiennes, ils me font un bisou sur les joues. Ah bon ? C'est pour ça que tu veux les recevoir. Oh là là.